Bien bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Tilly01. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de Astral Strain Gumball, un jeu que j'ai trouvé génial, que je n'ai pas fini encore. Puis je suis rendu au dernier boss. Vous allez voir, vous amener sur ma chaîne que je suis en train de faire un let's play au complet de ce jeu-là. Fait que je vais les mettre en ligne à temps et lieu, tranquillement, pas vite. Mais je suis sur le bord de le finir, mais celui-là, il est génial. Pour faire simple, c'est un jeu d'un 2D side-scrolling, Madame Megaman Style, qui coûte 14,99, qui est disponible sur deux consoles, trois consoles, la 2DS, la 3DS, plus PC maintenant. Là, je vais me mettre en mode speedrun parce que je veux juste montrer du jeu, il y a du gameplay, c'est un jeu qui a une grosse histoire qui est intéressante. Pour faire simple, un classique de l'histoire, c'est tu te fais engager par une équipe quelconque, tu sais pas trop quoi, puis là tu te rends compte qu'il y a une fille qui est comme emprisonnée pas contre sa volonté, contre elle-même. Fait que là toi tu décides d'aller avec eux autres, d'aller les voir, puis tu veux sauver la fille. Donc grosso modo c'est ça l'histoire. Puis il se passe plein d'affaires, les boss sont cool, c'est vraiment cool. Mais l'affaire qui est importante à savoir ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est... La difficulté est pas si dure que ça, sauf c'est les derniers niveaux. Mais c'est un jeu que vous allez avoir beaucoup de patience. C'est quand même pas un jeu facile. Tu vas avoir une gestion d'éclair et d'électricité, comme vous voyez là. Tu peux le marquer trois fois. Tu peux marquer la marque verte qui est moins fort, jaune moins fort et rouge plus fort. Plus ou non, vous allez leveler, vous allez débloquer des nouvelles capacités. Comme je vais vous le montrer dans 30 secondes. Donc ça, attends, je vais vous montrer ça. Ça, c'est une grosse attaque de la mort. Vous allez avoir des heals et tout plein d'affaires que vous allez avoir, mais vous payez en level. C'est pas les boss qui vont vous les donner, c'est ce channel précisé. Parce que j'ai fait le saut. Et les boss vont plus vous donner des armes. Comme des armes qui sont multiples, que tu peux diriger, tu sais, directions différentes et ainsi de suite. Grosso modo, c'est à peu près ça que vous allez avoir comme boss. Les musiques sont bonnes. C'est un jeu qui est génial. C'est un jeu... Maintenant, je vais parler un peu plus du background du jeu en tant que tel. C'est un jeu qui est le concept qui vient de Keiji Inafune, quelqu'un qui est quand même assez reconnu. Le game director, c'est Yoshihisa Tsuna. L'illustrateur, c'est Yoshitika Atekayama. Au musée, c'est Ippo Yamada et producer Takuya Aizu. C'est très japonais comme vous pouvez le voir. Fait que les boss, souvent, vous allez vous rendre compte que le côté japonais y est là. Tout au long des parties, je sais pas si on va le voir après le premier boss. T'as un mode atelier qui te permet de s'appliquer des items pour t'améliorer, comme pour un double saut. Tu commences par une double saut, tu peux le monter jusqu'à un triple saut, tu peux avoir des dash aériens, tu peux avoir tout. Fait qu'après chaque mission, on va pogner des genres de petites médailles. Puis avec ces médailles-là, ben, tu peux avoir des parts pour upgrader des systèmes et tout. Puis, pas upgrader des systèmes, bon, t'acheter des équipements pour t'aider à avancer dans le jeu. Une affaire que tu m'as déçu ce jeu-là, je t'aime très précisément. Il n'y a pas assez de mini-boss. Puis, ça m'a fait chier. Comme là, on a vu un premier mini-boss. Il est fun à tuer, il est sympathique, mais il n'y en a pas à tous les niveaux. Ça m'a déçu un peu. C'est surtout des genre des waves de mobs à tuer. J'ai trouvé un astuce qui est tout de one hit. Ça m'a vraiment déçu énormément. Un autre côté qui m'a déçu ce jeu-là, c'est dans les changements de weapon. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que après chaque loading, je sais pas si ça me fait tout le temps ou c'est juste parce que ma manette qui est buggée, quelque chose de même. Après chaque loading, ça change de weapon tout le temps. Fait que là, tu peux t'arriver contre un boss, tu fais son grosse attaque de la mort, puis tout à coup, et voilà, t'as plus de bon weapon. Vous allez voir ça dans mon let's play si vous écoutez, c'est extrêmement désagréable pour ça. C'est limite agressant là. Ça veut pas dire que je joue pas bon à cause de ça, tu changes de weapon, mais c'est pas tout le temps que t'es dans ton inventaire, genre, t'en sers bien, tu pointes ton équipement, tu reviens en arrière et peut-être patata. C'est fatigant.
C'est comme que je parlais tantôt, à l'œil gauche, l'œil droite, c'est là que tu vas pouvoir équiper ton double jump et ainsi de suite. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça qui est sur ce jeu, que j'ai adoré ce jeu-là. C'est un jeu qui coûte 14,99$. C'est un jeu que je vous recommande si vous aimez les bons vieux Megaman de fer. C'est... il est le fun, mais je vous le dis. Les derniers boss sont... il y a quelque chose. S'il y a un boss que j'ai oublié d'aller voir sur YouTube, savoir comment le tuer, là. Parce que j'y arrivais vraiment, mais absolument à rien. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur ce jeu-là. Je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, je pense pas. J'ai dit juste vérifier depuis une seconde. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Oui. Ah, la compagnie, c'est Arthur Creek. Je l'avais pas dit tantôt. Fait que je pense que c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire. Côté musique, c'est très bon. C'est un jeu qui est, sérieusement, c'est un jeu que qui est plus que potable. Je recommande ça à tout le monde qui aime ça. Mais je vous le dis, je me répète encore, il y a une bonne difficulté à ce jeu là. Une très très bonne difficulté. Fait que c'est à vos risques et périls. Ici, après chaque niveau, si je n'ai pas parlé, vous allez recevoir des rewards. Comme là, j'ai droit, à quoi j'ai pogné des médailles, je vais pouvoir me pogner des items quelconques. Comme là, j'ai quand même été chanceux. J'ai pogné du cristal, des blablabla. Ce qui va nous permettre, si on y a accès, je sais pas si en mode speedrun on y a le droit. On va jouer tout de suite. Oui, on y a le droit. Ok. Genre, dans l'atelier, ce que je parlais tantôt. Tu peux utiliser tes équipements, ce qui te permet d'acheter, comme que je parlais tantôt, comme là, tu achètes la première anneau d'accélération. Après ça, il va upgrader au niveau 2, il va faire 2 bons, le troisième niveau, 3 bons. J'ai pas tout upgradé encore. Il n'y a pas juste ces 6 niveaux-là. Je vous le dis tout de suite, si vous faites le jeu, vous me dites, 7 niveaux, c'est pas trop long. C'est pas long, il n'y a pas juste ça. Il y a 2 autres zones que t'as pas accès à côté. Mais il y a même mieux faire que ça, mais allez vous les montrer. Je peux-tu revenir en arrière, revenir avec la suite. Ça va être plus simple comme ça. Je vais lancer ma partie. Comme vous pouvez le voir, il y a les 6 boss. Tu as des petits objectifs spéciaux à trouver, comme des petits diamants dans chaque niveau. Je les ai pas tous trouvés. Tu as un boss spécial qui lui, il m'a fait chier. Et plus 4 autres boss. Comme vous pouvez voir, là je suis rendu au dernier niveau. Ce niveau-là, il va falloir que je le refasse en vidéo parce que quand je l'ai enregistré, ben, ça a bugué. Mais ça, anyway, vous allez m'en parler durant mon let's play. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur ce jeu-là. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Fait que on va se mettre sur un petit niveau juste pour la fin. Fait que n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, suggestions, insultes, si peu importe ce que vous voulez dans les commentaires, ça me fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez me suivre sur Facebook sur Tilly01, sur Twitter Tilly02, ma chaîne YouTube bien sûr sur olivier.debien et sur Twitch sur olivier.debien. Bon, je vais essayer peut-être être chanceux, je vais peut-être être capable de vous montrer un exemple que je parlais tantôt. Je vais vous montrer tout de suite là. Regardez, j'ai un gun dégueulasse là. Le gun est taché. Et mais ça, je vais juste me suicider. Juste me suicider. Volontairement. Là. Si je suis capable. Là. Ah, il va mourir. Il va être mourir. Ah ouais, un autre appel que j'avais pas dit qui m'a déçu du jeu. C'est... je trouve qu'on est trop blindé. Avant que tu manges une shot, comme vous pouvez voir, il faut que tout mon shield soit à 0. Puis je trouve que c'est... c'était un peu trop blindé, mais au dernier boss, c'était bien content de l'avoir. Tu sais, c'est donnant, fait que c'est ça. Regardez, comme vous voyez, là j'ai plus le même gun. Quand tu vas dans les guns, j'avais celui-là, il va toujours tanger de 1 par gauche, 1 de la droite, je veux dire. Je comprends pas pourquoi, mais ça fait tout le temps ça. C'est un bug du jeu, je sais pas si, pourquoi c'est le même, mais c'est vraiment fatigant. Fait que là, je me tais, fait que je vais peut-être parler de ça. Fait que j'espère que ça vous a plu. Je vous dis dans 3 semaines pour la prochaine review et ben à la 3 semaines, bye bye.